Bon, ben là, finalement, j'ai fini par réussir une partie sans chuter avec Wendy à 4 joueurs. Ça a pris un peu de temps, mais ça finit par me débloquer. Puis avec Falco, c'est toujours en vigueur, même si je l'utilise plusieurs fois depuis un certain temps. Mais il manque toujours environ une quinzaine de secondes pour réussir. Bon, avec Wendy, disons-le que ça a été plus une rivalité entre moi et Derek, vu que c'était plus Derek que je touchais que les autres. Nola, lui, elle se protégeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et essayait d'enchaîner les KO contre Monty. Mais j'ai été un peu plus rapide que lui et j'ai pu réussir une partie sans chuter de 3 KO. Lui, il a réussi une partie sans chuter, mais attention, de 2 KO. Et oui, pour la toute première fois, ok, vous assisterez à un match où ce que deux personnes n'ont pas chuté, mais il n'y a pas de mort subite. Mais ça a donné comme ça. C'est sûr que ça aide beaucoup quand que c'est toi qui ouvre la marque rapidement. Un, deux. C'est aussi simple que ça. Avec une saisie. Bon, je subis 74% de dégâts. Et vous allez vous apercevoir que je subis jusqu'à 93% de dégâts, puis ça aurait pris un bon moment avant d'en subir jusqu'à 106 à la fin. Bon, deuxième KO pour moi. Contre Derek, là. Mais Enola va essayer de se relancer avec ce KO-là. Il a subi 102% de dégâts. Non! Non, je vais l'empêcher de faire ça. On les reste 8 secondes. Et voilà mon troisième KO. En tout cas, la rapidité a eu raison de Enola pour cette partie. Mais ça a donné comme ça, qu'est-ce que vous voulez? J'ai essayé de quand même de toucher un petit peu une fois de temps en temps les autres, mais ils réussissaient quand même à me bloquer avant que je réussisse à pouvoir faire un KO contre eux. Ils réussissaient à me bloquer avant que je pose une autre action contre eux. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu me les mettre KO. Monty ou Enola. Donc c'est ça. Wendy est rendu maintenant mon 16e personnage des No Foul. Incluant Bowser Junior, vu que c'est. De toute façon, ils utilisent les deux les mêmes bolides et ils ont les mêmes attaques, fait que ça change rien. Pour les costumes. Bon ben sur ce, ok, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se rejoindra un autre jour. Pour d'autres enregistrements de mes parties Super Mario Bros. Nintendo 3DS. Et je vous réserve une partie sans chuter en équipe avec Sheash Namis. Dominance totale.
Sur ce, bonne fin de journée.